4 enfants. Oui. Ah ben ça c'est sûr qu'on se lève le matin, on sait pas ce qui va nous tomber dessus, hein, c'est. C'est la première fois que je fais appel à une psychologue sur Skype, c'est une amie qui me l'a conseillé. J'ai tout de suite trouvé que c'était une super bonne idée. Oh ben, ne pas devoir faire garder les enfants, pouvoir rester tranquillement à la maison. Non, chérie, tu mets un tout petit peu moins fort ta poupée. Voilà. Mais je n'ai pas avec les enfants de problématiques graves ou profondes. Non, pas du tout, du tout, du tout. Non, 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 non. Donc maintenant, tu mets moins fort cette poupée, tu vas dans le salon. Allez. Non, 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 non. Non, ce sont plutôt des choses... Enfin, des choses... Enfin, c'est banal, quoi. Enfin, banal. Ce qui me tracasse tout particulièrement aujourd'hui, c'est La Reine des Neiges, le dessin animé Disney. Avec la chanson La Délivrée Libérée, on vient de l'entendre, là. Oui. Eh bien, ils vont faire une suite. Moi, je n'en peux plus. L'autre jour, ma fille m'avait demandé de faire un bricolage. Reine des Neiges, évidemment. Et donc, elle voulait qu'on picote là, le gros bonhomme de neige. Comment est-ce qu'il s'appelle encore? Plouf, glouf, igloof, Olaf. Et moi, j'avais reçu le picot à l'effigie du renne, là. Le gros renne, là, avec ses grands yeux, comme ça. Enfin, il a des yeux... Enfin, on dirait qu'il a fumé toute la moquette, ce renne. Et on picotait tranquillement, comme ça. Enfin, ça fait quand même bien 50 minutes, avec le fond sonore du CD de La Reine des Neiges. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai eu une pensée. Ah, moi, je me suis dit, je veux être à Rome, sur une Vespa. Comme dans Une Vie à t'attendre, où il est avec Nathalie Baye, ils sont pas à Rome, hein, dans Une Vie à t'attendre, ils sont en Toscane. Mais en fait, ils se sont aimés plus tôt, mais ils se retrouvent, ils retombent amoureux, enfin, à un moment donné, c'est... Enfin, c'est bon, quoi. Vous pensez que c'est normal que j'étais... Je me sens quand même responsable. Ma seule erreur véritable a été d'acheter cette poupée Reine des Neiges qui chante. Tous les matins, je dois chanter Délivrée, Libérée avec ma fille. Je ne vous dis pas les gestes que je dois faire. Mais parce qu'il y a une chorégraphie en plus. Oui, je sais que tout le monde se plaint de la Reine des Neiges depuis des mois, mais dans le monde de Disney, il n'y a pas que la Reine des Neiges. Il y a aussi, comment est-ce qu'elle s'appelle encore celle avec ses... c'est la mexicaine, la, non, brésilienne, la, je sais même pas d'où elle vient d'ailleurs. Violetta, oui. Elle a repris Délivrée, Libérée en espagnol. Oui. Moi aussi, je suis pour l'apprentissage des langues. À un moment donné, où... Partout où je vais, ma fille me suit avec la guitare Violetta. Bon, ça me donne envie de faire une version manouche tellement ça m'énerve. J'étais avec donc avec ce picot et ce gros renne là qui me regardait avec ses grands yeux drogués. Je me disais, je n'en peux plus, je n'en peux plus, j'étouffe moi ici. Je vais à un moment donné, c'est à un moment donné. Est-ce que tu ne peux pas arrêter avec cette poupée de merde quoi, mince! Il y a quand même un moment donné où il faut réaliser que c'est pas la Reine des Neiges qu'il va falloir délivrer, libérer, c'est moi! Le fait d'en parler, ça fait du bien. 50 euros? Ça fait du bien. Oui, je sais que la compositrice de cette chanson s'est excusée. Enfin, elle s'est excusée, il y a quand même un moment donné où il faut penser à la santé mentale des parents.